Bienvenue à cette session lunch de Plaque Tournante. Aujourd'hui, on reçoit Joseph Edgar. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette dernière session lunch de 2017. Et aujourd'hui, on finit ça en grand avec Joseph Edgar. Salut Joseph. Salut Louis-Philippe. Et il commence ça en nous interprétant « Entre les cracks, le calepin du flâneur, part 2 ». C'est ça. Au deuxième étage de son bâtiment, au deuxième étage de son bâtiment, il filait comme un fossile, il filait comme un fossile, pris dans le temps. Il marchait dans la cité pour se donner au vent. Il marchait dans la cité pour se donner au vent. Il cherchait pour sa fortune, il cherchait pour sa fortune, pris dans le temps. Quand j'ai passé par là, je suis passé par là, et je l'ai filé et tout, peut-être même cherché et tout. Entre les craques et puis les tracks, les cris de nuit paranoïaques, les drapeaux bleus, les drapeaux rouges, je reste pas parmi tout ce qui bouge. Minuit 10, je suis étourdi et sous les étoiles, je me sens petit, j'entends les bruits, les chuchotements, et les murmures qui glissent dans le vent, 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 ces insomnies, notre peur dormir, la peur qu'on a tous de vieillir, ces murmures qui glissent dans le vent, ces murmures qui glissent dans le vent, ces murmures qui glissent dans le vent, ces murmures qui glissent dans le vent. Hey, merci Joseph! Merci! Comment ça va? Ça va super bien! Je suis vraiment content de te recevoir pour la dernière de la saison, ben, parce que bon, on se connaît depuis un petit bout de temps. Oui, quand même. Et puis là, tu viens de sortir un 2-tune. Oui! Comme dans le bon vieux temps. Un 45 tours numérique. Parce que là, Ricochet, ça faisait un an et demi environ. Exactement, ouais. Puis là, pourquoi ces deux chansons-là? Ça vient d'où? Ben en fait, ça, j'étais beaucoup en tournée dans la dernière année et demie, puis d'autres sortes de projets, puis ça. Puis là, à un moment donné, mon manager n'arrêtait pas de dire, ben là, on a besoin d'une nouvelle tune pour le prochain album. Fait que je me suis installé dans un studio pour après deux semaines. Et puis, j'avais un ingénieur qui était super patient, qui rentrait le matin, puis... Il m'enregistrait à placer des drum beats, puis faire de la bass, puis des affaires même. Et au bout du compte, j'ai fini par sortir après une dizaine de tunes. Fait que là, c'était comme, OK, boy, on a un album, mais là, tout le rush de l'album et tout, tu sais, là, c'était comme... Fait que, puis tu sais, les habitudes de consommation musicale des gens, ça change tellement qu'on dirait que ça me tentait pas de sortir comme 10 tunes, puis qu'il y en a juste deux qui soient écoutées. Ouais. Fait que là, on a décidé qu'on allait aller old school, puis sortir deux tunes, face A, face B. Puis là, les autres, ben, on va les sortir à chaque deux mois et demi, chaque trois mois, puis on va sortir un album, genre, à chaque de deux dans la prochaine année. C'est cool, ça. C'est un peu, dans le fond, c'est un peu comme ça se passait à l'époque. Exact. On dirait que le numérique ramène les anciennes façons. Les Beatles, c'est comme ça que ça fonctionnait. Là. Au début, ouais. Ils faisaient, genre, ils sortaient deux tunes parce que c'est ça qu'ils avaient comme argent pour aller enregistrer en studio. Ils sortaient leur tune, puis là, après ça, ils revenaient quelques mois plus tard. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient en 2018? Ben, c'est ça, en 2018, on va tourner. Fait que là, c'est un nouveau spectacle qui se dessine pour 2018. La tournée des Cochers, on était cinq musiciens.
musiciens. Là, je vais old school aussi. On fait ce petit power rock trio. Right. Et puis là, on a deux tournées en Europe déjà dans lignée. Ça fait que début février, on s'en va en France, on se promène dans le nord. Puis là, au mois de mars, on s'en va en Suisse aussi pour une couple de semaines. Et donc, ouais. Puis là, ben, les spectacles au Québec et ici et là. Ça fait que ça sent. Ouais, 2018. Tu sais, je me disais, ah, je vais peut-être prendre une année un petit peu plus calme, 2018. Ça se passera pas en 2018. Non, pas non, si non, tu sors 7-8 tonnes, puis qu'en plus, tu fais deux tournées en Europe dans les trois premiers mois. Ouais, Tu risques d'être assez occupé. Puis là, ta tournée de Ricochet, elle se termine très bientôt. C'est là, ça, c'est... ce samedi à la Maison de la culture de Bellechasse. Ouais. Donc, ça va être le dernier show de la tournée Ricochet. Fait que c'est la dernière chance à tout le monde. Si vous vouliez voir le dernier show, puis que vous habitez pas à Bellechasse, ben c'est le temps de faire... Un voyage à Bellechasse, ouais. Hein. Quand même, ça peut être pas pire. Ben ouais. Là, tu vas nous jouer la deuxième toune qui est sortie dans ce 45 tours-là. C'est ça. Et elle s'appelle Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ouais. Merci. Ah, c'était un matin que le soleil se battait pour sortir. Quand il a appris que tu étais parti. Et puis les nuages, ce sont eux qui ont gagné. Ah oui, les nuages, ce sont eux qui ont gagné. Oh, come on, baby, now, bring back the sunlight. Oh, come on, baby, now, turn around, bring back the sunshine. Oh, come on, baby, now, bring back the sunlight. Come on, baby, now, turn around, bring back the sunshine. Ça m'a un peu pris 2 heures pour que l'on monte jusqu'au nez. Il savait que t'aurais peur, il s'est mis à te chercher. Oh, non, plus de téléphone, oh, non, plus de courant pantoute. Il voyait même pas le trottoir, il nageait, nageait sur la route. Oh, come on, baby, now, bring back the sunlight. Come on, baby, now, turn around, bring back the sunshine. Come on, baby, now, bring back the sunlight. Come on, baby, now, turn around, bring back the sunshine. Oh, y'a plus pour des jours, y'a jamais eu si tant pluie. Y'a su entre les branches que tu t'étais noyé. Oh non, il ne croyait pas. Oh non, pas pantoute. Y'a pris vers l'océan, te chercher jusqu'au bout. Oh, come on baby now, bring back the sunlight. Oh, come on baby now, turn around, bring back the sunshine. Oh, come on baby now, bring back the sunlight. Oh, come on, baby, now, turn around, bring back the sunshine. Oh, come on, baby, now, bring back the sunlight. Oh, come on, baby, now, turn around, bring back the sunshine. Hey, merci beaucoup, Joseph, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Écoute, tout le monde à la maison, nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre dernière émission totale de la saison. C'est un spécial rétrospective et il y aura quelques surprises. En tout cas, je ne vous en dis pas plus parce que sinon, ça ne sera plus des surprises, mais il y aura de bons moments cocasses de moi qui... En tout cas, on verra la semaine prochaine. En attendant, on se revoit en 2018 pour les sessions lunch. Merci et bonne journée.